Hey yo, what's up? C'est Smelk, aka le 12. Bon, après ce petit périple de 6h30, voilà, arrivé à côté de la Romanche. Et ce qui veut dire qu'on est à Bourdoisan. Bourdoisan, donc le petit bled en bas de l'Alpe d'Huez. Et je vais m'amuser à vous filmer la petite montée à bord de mon bolide. Le fameux bolide que voilà. Hop. Alors pour les connaisseurs, c'est un E30. C'est un 316 berline de base que j'ai fait swapper. Donc maintenant c'est un M50 B25, le 2,5 litres de E34. Tac. Et je vais vous filmer un peu ce que ça donne. Allez, chose promise. Là, on est juste en bas de la côte. On est parti pour monter les 21 virages. Si le camion devant veut bien avancer. Apparemment, non. Je vais pas y aller comme un gros forain. C'est route ouverte. On fait pas le fou. Juste histoire de taper 2-3 accès et voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Premier virage. Je vais pas faire le fou. Donc... Hop, une nouvelle épingle.
on sent les limites du 6 cylindres Atmo en altitude comme ça. On sent que ça manque un peu comparé au niveau de la mer. Il n'y a rien à voir, ça manque d'air, ça se sent. Mais c'est quand même drôle. Allez, nous voici à Uez, le vieux village. Bon, je sais pas si vous aurez eu l'occasion de voir la vue, mais elle est sympa. Dans tous les cas, je vous montrerai sûrement en arrivant en haut. West Coast, mais celle-là elle est assez sympa. Il y a un petit drop de rocher et tout, c'est sympa. Je vous montrerai sûrement pendant la saison. Allez, l'avant-dernier.
pas dire qu'il soit dingue. Hop. Bon, nous voilà au sommet, ça y est, c'est fini les 21 virages. La prochaine vidéo que je sortirai, je pense que ce sera plus du vélo. Donc voilà, maintenant je vous laisse sur cette vue plutôt sympa. Et puis on se revoit bientôt. Allez, ciao.